Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin, le professeur Wisner Désir. Notre invité va nous aider à comprendre la conférence nationale, notamment le rôle du comité de pilotage de la conférence, de la conférence nationale. Installé il y a quelques jours, c'était le 23 août dernier. Professeur Désir, bienvenue. Merci. Kaipourou, merci parce qu'on est disponible pour nous. Alors, exercice nous va le faire matin, hein, il y a différent de ça nous fait déjà. Autrement dit, nous qu'on fait quelques plongaillés, nous sommes sur un sujet, nous tombons sur l'autre dans la dernière émission. Nous Mais je vous dis, hein, ça parle différent puisque nous focus sur le comité de pilotage, là, que le conseil de transition, le conseil présidentiel de transition installé. Et son sujet que moi, pas au même seulement, il y a plusieurs autres intellectuels qui font état des enjeux de cette initiative, son importance, tout ça. Avec vous, on va parler, nous, évidemment, à la lumière de ça qu'on est sous lit. On va permettre nous comprendre décision ça ou encore initiative ça mieux. Alors, si vous permettez, on dit que comité de pilotage là et il était installé le 23 août dernier et c'est conseil présidentiel là qui était installé. Il y a quelqu'un qui dit que c'est en fait deuxième initiative que CPT a mis en place après gouvernement. Dans le cas d'accord 3 avril, le comité ça a en tête le Premier ministre Enex Jean-Charles, qui a pour mission, entre autres, de faire des consultations qui sont capables de déboucher sur révision constitution pays. Révision constitution en vigueur, élaboration de nouveaux projets de société pour Haïti, et établissement de nouvelles relations entre l'État et la société, notamment la société civile, les partis politiques, de même que la principale réforme dans le système juridico-politique. C'est trois chantiers principaux, ça y est, que monsieur, en fait, que comité de pilotage. Je vais agir sous question réorganisation secteur média et puis question information dans le pays. Mais Wendel, moi, j'ai une préoccupation et c'est justement ça qui motive la présence moi là. D'abord, Fanda dit que nous n'avons pas de conférence nationale, nous n'avons pas parlé. Un débat didactique pour permettre de comprendre mieux. C'est ça, c'est ça. On a parlé de conférence nationale, on a parlé d'une initiative qui était pendant les années 1986 dans le pays d'Afrique francophone, particulièrement pays qui était sous l'obédience de la France et la Belgique. Et sa conférence nationale est son espace, côté de monde, de différentes tendances en société, à différents groupes réunis pour être capable de définir des orientations sur le côté à mener la société. Alors, préoccupation, c'est que il y a un monde qui est Alexis Otondji, qui a déclaré que la conférence nationale proclame sa souveraineté et la suprématie de ses décisions. L'homme temps des discours président et fait, je me demande, est-ce que nous avons même dynamique là? Mm-hmm. À savoir, est-ce que la conférence nationale là, telle que nous mettons là, il y a une capacité véritable pour proclamer souveraineté, pour proclamer suprématie décision lui. Parce que c'est bon pour me rappeler les gens qui attendent nous là, dans le moment où on a parlé là, que la conférence nationale qui fait en 90, je parle le 1er février 1990 au Bénin, c'est culminé à départ gouvernement Matéki Rekou. Songez ça. Donc, est-ce que la conférence telle que l'a fait là, il y a suffisamment de latitude pour être capable quelque peu chambarder hors de choses qu'il a de par décision pour le prendre. Parce que là, nous avons des discours présidents. M'espère que nous avons l'occasion de mon état d'autre temps d'élit. Monsieur a identifié trois grands ensemble de chantiers. Vous avez parlé de
il parlait de réforme constitutionnelle, il parlait de mise en place d'un projet de société. Je me demande, est-ce que une réforme constitutionnelle pas sous-entendre de mettre en place un projet de société, parce que le projet constitutionnel là, comme tel, il définit rapport l'État-société, rapport citoyen-l'État, rapport citoyen-société, rapport citoyen même, il parlait de comment pour architecture pouvoir, comment bâtir pouvoir, comment rapport y entre eux. Donc, lui, en quelque sorte, jeter base dans un projet de société, constitution. Bon, là, on a dit que nous avons besoin d'une réforme constitutionnelle et puis nous avons besoin d'un projet de société et pour bah, demander, et puis on peut faire, ou on a fait CEP. Alors que, et si dans le débat qu'on a fait, dans la résolution qu'on prend, dans le débat qu'on a fait, nous avons abouti au fait que nous avons besoin changer l'autre des choses. T'as dit que me dit que tel que schéma a fait là, il a limité en pile comité à l'action. Il a limité en pile. Et puis quand l'autre préoccupation que me gagne, c'est échéancier, ça les calendriers, chronogramme d'activité tel que il a charpenté là, il a même tout il posé problème. Parce que si m'bal font conférence nationale, beaucoup besoin faire CEP. Parce que ces résolutions, yo, qui sont en conférence nationale, qui prennent déterminer l'orientation, c'est sur cette base d'ambal remonter l'architecture institutionnelle. Là. Autant que ça capable faciliter la mise en place, là, autant que les capables compliquer le tout. Il est capable de compliquer le tout. Donc, ça veut dire que lorsque vous faites un CEPO, et puis c'est à pouvoir faire conférence nationale, ça veut dire que chantier, on tigeant, est-ce que je peux parler de l'empiètement, mais il y a un problème qui est posé en termes de méthode. Et en termes de latitude, nous avons parlé tout à l'heure pour conférenciers nationaux et conférenciers nationaux pour ou bien les commissaires, si vous voulez, j'en voulais. Et puis, il y a un autre facteur qui dit que mérite marquer préoccupation. Le président dit que les forums du jeudi, que nous avons fait dans le cadre de la Fondation Frédéric Cherbéa, qui était compte défini les orientations et a servi de matière. Et les États-Unis de la nation, président Jovenel Moïse a fait observer de matière et conférence nationale et entente nationale, c'est là que Amar était fait observer de matière. Ça veut dire que me senti et me partager préoccupation avec concitoyens mio, compatriotes mio, que dans une certaine mesure. Puis là, finir l'autre aspect qui est important pour souligner, c'est il s'agit là de mandat impératif, imperare, commandé. Alors que Alexis Otomandji te dit que force conférence là c'est souveraineté c'est suprématie pour capable imposer décision là une senti modèle n'a préconisé là j'en a architecture là exécuter la bon trop grande mémise sous question gain trop il trop prédominant nous besoin une conférence nationale véritablement pour nous définir fait par le pays à parler avec lui-même. Mais il y a un autre facteur qui n'est pas négligeable non plus pour m'attirer l'attention sur lui. C'est le président de la conférence nationale, le comité pilotage, là, qui a annoncé que nous connaissons deux mois alors traiter nos deux oiseaux de mauvais augure, qui doit venir camper en quoi pour empêcher la fête. Et comme si il a dit, nous avons réclamé pyramide, nous n'avons pas pour tout. Non. Une initiative de cette envergure qui préconisait pour capable faire payer par la clé même, il n'est pas capable souffrir de polémique. Dès le départ. Non. Président commission, chita discours d'investiture là sous fond polémique. On n'en a pas besoin. Donc là, on va parler de Enex Jean-Charles. On n'a pas besoin de polémique. Il y a des gens qui pour Wendel. Il y a des gens qui contre. Et ça fait partie de l'ordre des choses normales que gen pour gen contre. Même pas qu'à nos discours d'investiture, d'installation d'un comité, pour me préoccuper, moun qui peut aller, moun qui a physique, moun qui ceci, moun qui cela, pour moi-même. Parce que nous n'avons donné que les communications politiques. Rien, mais vraiment rien, pas innocent. L'OAP fait un discours d'installation d'un comité, quand on parle de pays, pour parler à lui-même, ou une magnanimité, ou une grandeur, ou un dépassement pour faire. Mais par le moment, je vais faire chicanerie, qui est-ce qui pour, je connais quand je vais le compte. Et alors, M. Gonjan, tu formule, les bancs prennent Jean, par là, tu formule là, il dit que, nous, même pour blague, nous c'est gâté ça. Nous remets ouais belle merveille. Nous remets ouais belle merveille. Gen moun ki créer conditions pour faire belle merveille. Et gen moun ka fait belle merveille. Tenez, ça m'a dit à vous. Gen remets ouais. M'passif, m'a regardé.
mais il y a créé des conditions pour Belle Merveille et il y a fait Belle Merveille. Dans trois catégories de monde, de qui c'est n'a parlé. Parce que y a deux mondes, parce qu'il faut dire pays à la vérité. Depuis 1982, pays en mode réforme. Il y a un grand artisan réforme, ça s'appelle Rémi Mathieu, mon pays. Oui. Professeur Rémi Mathieu. Ancien directeur Radio Nationale. Mm-hmm. Nous mettons pays en mode réforme. 42 ans plus tard, nous bigeons font conférence nationale pour nous faire pays à parler à lui-même. Ça veut dire que toutes ces réformes-là, à qui ça a abouti? Avant, on continue. Pour qu'ils soient pas beaucoup de gens, c'est vrai, l'émission a fait commencer, mais pour qu'ils soient beaucoup de gens allusion à Thierry Abdelpé, c'est pas même bagage ça que tu as préconisé? Dans le discours président, alors, je vais faire un petit campé pour faire mon temps de sa présenter d'IA. Docteur, initiative-là, faite au Bénin, dédiée le 1er février 1990. En 1972, Mathieu Kéré reprend le pouvoir, il crée la République populaire du Bénin. Il y a une grave crise qui a secoué le pays, mais la crise a été en grande partie à la question du conflit S-Ouest, sa orientation politique que M. Tabay pays. Et puis, les M. situation a dépassé, M. recourir à la population pour prendre des initiatives. Et l'initiative, ça prend deux côtés. Il prend Zaïre, il prend Bénin. Mais il prend Bénin avant. Mais réaliser, réaliser Wendel et. Gardez bilan Zaïre qu'on y a, ou gardez ça qui a passé dans la zone Zaïre. Ça veut dire que contrairement à ça, vous avez fait nous comprendre, et c'est ça où est ma clé. Confiance en soi, là, c'est pas panacé. Ils sont remèdes qui sont pour toute qualité de maladie. Non. Il y a des pays qui décoffent, qui décollent, pas de passer par la conférence nationale. Ma bonne tête, de mémoire, deux. En 1965, il y a eu un Bosch coup d'État, en République dominicaine. L'invasion américaine, Balaguer vient prendre pouvoir. Monsieur pour initiative, son modèle qui mérite pour nous garder tout, parce que par exemple, monsieur n'a pas de panacée dans une formule politique. Mm-hmm. Ça marche pour un pays, il n'a pas marché pour l'autre. Il n'est pas forcément, il n'est pas forcément marché dans tel autre pays. Mm-hmm. Et ce n'est pas de bas au cas pour faire extrapolation et pour tout venir. Non, surtout dans les sciences sociales et humaines, il n'est pas très bonne formule que mon utilise qui est sur l'extrapolation. Eh bien, monsieur prend les meilleurs élèves finissants de l'école secondaire de toute la République dominicaine, les voyait dans les meilleures universités d'Europe et d'Amérique du Nord. Leur retourné, il fait une jonction pour retourner. Leur retourné, monsieur drainé vers la plus haute administration publique, les voyait dans le secteur privé, et puis, bon, ensemble d'entreprises que l'État a commencé à monter, c'est eux même vous voyez avec un épée d'Amoclès sur tête, si vous échouez, vous n'avez jamais gagné pour faire République dominicaine. En 1970, la Banque mondiale prêtait la République dominicaine 20 millions de dollars. Et puis, vous commencez à ouvrir au complexe hôtelier qui vient dans le nord de la République dominicaine, que les Playa Dorada et autres. Et puis, au fur et à mesure, vous répliquez le modèle là, tout côté, et nous gagnons aujourd'hui la nouvelle bourgeoisie dominicaine. En 1965, il a créé la République dominicaine où on centre les centres d'exploitation de la République dominicana. Chiffre d'affaires d'Haïti et Dominicania a été élevé à 100 000 $. 100 000 $. Je vous dis, nous dépasser les 2 milliards, 2 milliards 500 millions de dollars. Et gardez et comment balance commerciale là défavorable, les chiffres pour ne pas créer confusion. Donc c'est pour me dire que pas un modèle. Il doit nous modèle parfait, des bouffées, ils sont médicaments. Non. Dans le domaine médical, Wendel, un médicament est très bon pour tel monde, pour même maladie. Malbaoul. Et tout. Il n'y a pas de résultat pour te bal. Je vais faire un deuxième modèle pour montrer que pas de remède miracle pour faire pour résoudre une crise qui est dans un pays. Il y a un monde qui est Omar Torrijos. Omar Torrijos, un universitaire, un ancien colonel Panama. Monsieur est fondateur du Panama moderne. Monsieur a dans l'école normale supérieure, l'équivalent dans le pays. Monsieur a une formation en philosophie. Monsieur a eu des aspirations politiques parce que monsieur estime que faut mettre le pays de l'autre côté. Et puis,
Et monsieur, ouais, que il pas prêt à un résultat à partir du professeur de philosophie que l'IA, monsieur dit faut le changer. Bah, monsieur entré dans l'académie militaire, monsieur se dit colonel. Et puis monsieur, bah, fait apologie coup d'état quand même, bon, monsieur dégagé, monsieur prend pouvoir et puis monsieur poser base pour Panama aujourd'hui. Nous même nous dit ces conférences n'a fait. Mais réaliser une notion, nous va dire n'a fait conférence souveraine, non, moins d'elle, notion importante, oui. N'a font conférence et le map gardé discours mais grand objectif quand même qui objectif national ah. N'a fait une conférence nationale souveraine n'a pas et pour oui il y a tout sens là d'accord et pour vous ajouter souveraine non pas oublier l'on a parlé de la belle l'on a parlé de Bénin n'a parlé de Zaïre n'a parlé de ancienne puissance ancienne colonie a dit que c'est deux pays qui traditionnellement ont prédominance de pays de d'autres pays anciennes métropoles sous yo. OK. Dans le cas d'Haïti, nous sommes nous presque tournés en colonie américaine. Toutes les décisions qui sont prises en Haïti, yo prennent dans Ottawa, dans Washington et dans Paris. A dit que semaine ça là nous avons une délégation qu'on a nous en cas d'espèce d'un impérialisme de seconde zone. De temps en temps, un groupe qui a sauté CARICOM qui a bien dicté, nous avons un cravache dans nous pour dire que. Mais mettez ceinturon. Il dit que c'est éminente personnalité. Mettez ceinturon. Vous connaissez l'autre petit monde qui a frais. Mettez ceinturon. Ou pas la maison. Ou pas mettre chaussettes. Ou pas ceci. Ou pas cela. Tête ou pas bien payé. Et comme ça, vous êtes avec nous. Semaine à le 5, Anthony Blinken va venir là. Parce que vous avez équipe petit monde qui n'a pas comporté ou bien. Qui entre nous avec les conseils présidentiels et puis qui est nous associé à un bon bagaille, qu'on a son blanc pour venir dire nous qu'on pour nous sortir dans le conseil là. Rete sous compte en attendant et décision fin prend et puis si ou est nous qui n'a tourné comme si son étranger pour venir dire nous ça, Wendel. C'est dans le cas ça nous y est. Alors que là nous dans le cas d'espèce ça, côté nous on surprédominance même si nous avons exprimé comme ça. De étrangers sous pays pour faire conférence à son concours, ça qui a passé là. Est-ce que si conférence a abouti à la conclusion que le conseil qui l'a mal marché, faut vous aller pour proposer un nouveau modèle ou sûr que le monde a l'attitude? D'ailleurs, le président dit, nous avons parlé de mandat impératif, chaque mois, faut venir sous bureau. Yo. Un rapport. Un rapport qui dit comment la pi voulait. Ça veut dire que, tant pour battant, ça dit que l'attitude que le conférencier a gagné pour être capable de mener l'activité à bien, li souffri d'un déficit. Non, sans s'entendre dans le discours. Sans compter, nous partons d'un préjugé, d'un bagage de polémique qui montre nous que dans l'état d'esprit, nous ne sommes pas prêts pour nous accepter l'autre monde avec différence. OK. Bon, petit aspect oublié. S'il vous plaît. Pour qui ça, nous n'avons pas parlé de conférence sur une FDLPA. Est-ce que c'est pas est-ce pas une conférence que les conférences pas une conférence que les conférences sur NEPDLP. Je t'ai préconisé là. OK, mais pas une conférence que les conférences sur NEPDLP. Et nous pas fonctionner en vase clos. Le bagarre fait dans l'autre pays, n'a pas gardé le tout. Même Jean et révolution orange en 2011 on songe ça et il commence son côté, il y a l'autre monde qui a même situation donc et puis il a pas entraîné et il a fait d'entraînement donc n'a pas entré la donne. Le bagarre a fait en 90. Tu es une belle personne politique et nous avons eu deux crises. D'où pas oublier que tu es une belle personne politique. Après l'élection 1995, côté de un problème qui devait poser, il y a deux groupes de monde, élection faite, qui n'ont pas remporté un score intéressant. Et puis, monsieur estime que il y a deux problèmes dans le pays. Donc, mon autour dit pas une conférence que les conférences sur NEPDLP. Il y a un monde, un acteur politique, permettez-moi s'il vous plaît. Okay. Un acteur politique du premier plan de l'époque, qui est le NEPDLP, qui fait un gros bataille dans la ville, qui vient sénateur. Qui préconise le modèle. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est le même modèle africain de préconiser? Où sont-ils dit à l'heure qu'on ne peut pas préconiser? Je ne comprends pas. Préconiser nécessité de gagner pour qu'on chita parler entre nous, comme haïtiens, pour nous garder le problème et poser des réflexions. Et ça m'a essayé de faire comme exercice avec ou avec auditeurs auditeurs matin là, c'est garder. Est-ce que tel que nous démarrer question, est-ce que nous partons sur bon pied là? Et tant qu'on parle en course, bonjour, on monde démarre devant Wendel qui montre que mon n'a pas si bien, mais bonjour, on monde devant ouais déjà son canard boiteux. Donc, ma préoccupation de moi-même, c'est montrer que ça qu'a dit là, ça me tendait que vous définissez comme cadre d'orientation. Ça me tendait, président, comité a dit là, si que mon tika, si montrer que faut nous bagarre. Tout autant que me reconnaître,
gen nécessité pour nous parler entre nous, mais faut faire toute latitude, mm-hmm. mais pas faire sous dictée alors, X, Y, Z. Pour me faire qu'on souligne, les sorties dans l'appellation. Non, pas dans l'appellation. Les sorties dans l'orientation que le président tente bas dans le discours qu'il fait. Parce que le discours que le président fait, c'est un discours qui définit ligne d'orientation de conférence. Mm-hmm. Les parties que dans la conférence, il faut nous faire un projet de réforme constitutionnelle, il mm-hmm. faut nous faire un projet de société, et faut nous faire une réforme constitutionnelle, faut nous faire un projet de société. Donc, il préconise et faut nous repenser le territoire, et faut nous réorganiser le système judiciaire là, la palette de délimitation territoriale, structuration force publique. Donc, il définit un ensemble de chantiers que la conférence a rien pour faire. Mm-hmm. Mais moi, une préoccupation m'a parlé de deux zones. Il y a aspect de contenu, mais il y a aspect de chronogramme. Dans un mois, mais ça peut faire, dans trois mois, mais ça peut faire, dans neuf mois, mais ça peut faire. Là, on a parlé d'une démarche cognitive et méthodologique. Est-ce que ça, Jean, président fait là, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une démarche de limiter la confiance dans le bayo? Est-ce que tu as prêt tout? Et c'est ça, moi, comme préoccupation. C'est l'attitude. Mm-hmm. Pour bail comité a pour le travail. Donc vous estimez que monsieur pas gain toute liberté yo si la je m'en tiens au fait mm-hmm. discours qui devant nous m'espère que vous va passer tout de suite à ba nous matière pour nous comprendre que gon tentative que exécutif la tranche fait pour capable limiter et comité pilotage en actionni et c'est ça moi m'a pissé mm-hmm. dit que bail toute l'attitude possible. L'homme t'ai parlé de faillant tout à l'heure, c'est parce que ou t'ai dit dans le commencement que d'abord tu étais supposé tenir compte de ça, tu en Abdel Pé t'a préconisé lorsque lui-même était parlé de conférence nationale souveraine. Oui. Et dans ce cas précis, souveraineté a ou dit et avec raison que tu as toute importance, tu as toute utilité, surtout conférence en Afrique qui était faite en 1990 dans les mêmes, il était faite dans un contexte particulier. Et je dis nous charge avec problème, si m'a répété pas au loup, côté qu'on a l'impression Haïti capable à demander entre Canada, États-Unis et la France, qui est-ce qui a plus pouvoir sur moins aujourd'hui comme pays. Donc ça y est, ou pas senti que conférence n'a pas franchi nous de prédominance moun sa yo et yo nan contraint pays a gagné Wendel c'est ça parce que gon bagay sou permettre moi pour me dire moun yo et Pierre Raymond Dumas écrit un série d'articles qui relait cette transition qui n'en finit pas contrairement à sa conférence soit de café pour nous étrangers, je ne sais pas si c'est un complotisme, je dis que c'est un facteur historique, bon problème que les boussales sont capables de gagner la haute mais sous cité. Aspect d'autonomie d'action et de pensée pour nous diriger tête noire, il a fait tout le bagage pour entraver des marches. Si confiance en lui-même, c'est ça le visé, alors que nous avons un bon facteur structurel, comme d'accord considéré comme Jean-François Candila, des invariants structurels qui empêchaient sa fête. Et puis qu'on en a fait une conférence pour nous faire. C'est comme si nous avons lavé, mais nous avons sué la terre. Mm-hmm. Wendel, l'élection 1990 est faite dans les conditions que l'on sait. Mais l'hypothèse où est-ce qu'il y a un groupe de monde qui, depuis l'indépendance, le mouvement 1843 a fait pour ça. De monde d'origine paysanne, d'origine populaire, qui a demandé participation par l'appareil l'État, parce qu'il estime que l'État a fait dans le dos. Juste aujourd'hui, la crise politique que nous avons, les fonctions de paramètres, ça. De négrillons que nous n'avons pas voulu que nous bâtions une civilisation, parce que ça nous remettons autre de choses en question. Moi, je dis ça avant déjà, Wendel. Réalisez que je dis pour vous, et comme que les Carlos Anderson, qui sont avec un livre sur la question justement pour montrer que comment. Deuxième semaine, ça a parlé de premier rendez-vous aux États-Unis. Il a regardé et ça a fait, il a parlé de ça en France tout. Il a parlé de ça a fait. Côté, il a senti que le pays, ça a eu une tendance un peu fascisante. Avec dit que liberté d'expression, liberté de la parole, il a pas entravé.
yon tourné dans premier armement. Mais deuxième armement, c'est droit terrain pour tout Américain capable de zam. Et l'on regarde quantité de boucherie, quantité de carnage fait aux États-Unis, ou pas jamais eu une capacité pour limiter la circulation ZAM aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, il était fait parce que il y a un groupe d'acteurs, on dit déjà avec, ou 10 000 esclaves partis avec Météo, en Louisiane, et Cuba, dans le système de l'exclusif, tout pareil pour la métropole là, ça va ébranler les États-Unis. Automatiquement, nous faisons congrès. 14 août 1791 là, yo rendu compte que bon bouleversement sur échiquier. Journée jodi a, tout fondamental diplomatie occidentale là au sens là, la diplomatie américaine là, c'est torpiller projet ça. Et m'tendé dans discours président mandé pour communauté internationale. M'pa besoin communauté internationale venir aider me faire confiance nationale. M'a fait relation avec l'autre pays. Mais s'il s'agit de parler entre nous, pas besoin d'une tierce personne venir. Loi frère une autre famille là, car on est qu'on évite le voisinage. Non. Professeur, on prend une pause, non? Et puis on tourne avec discours si possible, et puis on essaie. Impérativement, c'est vrai. Impérativement. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Western Désir. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Ce matin, avec nous, le professeur Wessner Désir, avec invité nous, on a parlé de comité de pilotage conférence nationale. Là, nous avons campé sous enjeu, orientation que le président conseil en bail. Et jusqu'à présent, c'est ça, professeur. Jusque-là, oui. Ah ben, on a tout demandé studio pour nous faire. Bon, rétrospection. Oui, vous pouvez mettre auditeurs, téléspectateurs, téléspectateurs. Ça n'a pas de chance, tu as dit quoi, puis il y a une appréciation, puis il y a une analyse. Mise en contexte, diffusion, c'est que dans le moment où tu as installé un nouveau officiel, c'est-à-dire que membre comité de pilotage, là, mais qui ça, président Edgar Leblanc, Tebayo comme mission. Entendez, en suivez. Par arrêté publié dans le journal officiel Le Moniteur, en date du 25 juillet 2024, il a été nommé les membres du comité de pilotage chargé de coordonner les travaux de la conférence nationale. J'ai aujourd'hui l'insigne honneur de procéder à l'installation du comité de pilotage, encore amputé de deux membres. Il importe de permettre au comité d'entamer officiellement les travaux de la conférence nationale, assisté du secrétariat technique d'organisation de la conférence à travers trois groupes de travail sur la réforme constitutionnelle, le nouveau projet de société pour Haïti, les relations entre l'État et la société, ainsi que sur les principales réformes dans le système juridico-politique. Des travaux divers ont déjà été entrepris depuis longtemps, soit dans le cadre des forums du jeudi sous les auspices de la Fondation Friedrich Ebert en vue de l'établissement d'un agenda national pour Haïti, soit dans le cadre du Grand Congrès de l'Entente interhaïtienne ou plus près de nous dans les États généraux de la nation. Il convient ici de saluer la mémoire du docteur Turneb Delpé, leader du Parti national démocratique et progressiste haïtien PNDH, qui des années durant a porté l'idée de la tenue d'une conférence nationale souveraine pour réconcilier l'État avec la nation et inscrire définitivement le pays dans la voie de la stabilité et du progrès. La conférence nationale, lors de ses délibérations, adoptera des résolutions qui serviront de propositions pour l'élaboration du texte normatif et d'orientation portant sur trois importants chantiers capables d'assurer la stabilité du pays. La révision de la Constitution, l'élaboration d'un nouveau projet de société pour la refondation d'Haïti, l'établissement de nouvelles relations entre l'État et la société, notamment entre l'État et la société civile, entre l'État et les partis politiques, ainsi que les principales réformes dans le système politique
et dans le système juridique et politique de notre pays. Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage, vous avez du pain sur la planche. Mais compte tenu de vos profils académiques, de vos parcours professionnels et surtout de vos expériences dans les affaires de l'État, je suis assuré que les échéances seront respectées. Je vous rappelle que 3 mois après votre installation, le comité de pilotage devra remettre un projet final de la Constitution. Si les travaux du comité de pilotage prendront fin à partir de la date d'entrée en fonction du pouvoir législatif, ceux des assises de la Conférence nationale se termineront 9 mois après votre installation. De plus, chaque mois, à partir de l'installation, vous êtes tenu de remettre au gouvernement et au Congrès et au Conseil présidentiel de transition un rapport détaillé d'avancement des travaux de la conférence. Je ne saurais passer sous silence les avant-projets de décret prévus à l'article 5 du décret du 19 juillet 2024 portant création, organisation et fonctionnement de la conférence nationale. Il s'agit de textes normatifs qui doivent être communiqués à l'exécutif au fur et à mesure après la publication de la nouvelle Constitution au journal officiel Le Moniteur. Citons entre autres des textes portant sur l'organisation des partis politiques et des élections, l'organisation judiciaire, les délimitations territoriales, les structures de la force publique, le droit à l'information et le développement des médias, etc. Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage de la Conférence nationale, la tâche qui vous attend est à la fois laborieuse et noble. Je compte sur votre patriotisme, pour lequel aucun sacrifice n'est trop grand, pour mener à bien les travaux de la Conférence nationale qui devra ouvrir la voie à un nouveau départ pour notre pays. Nous avons besoin pour cela de concours de tous les Haïtiens, de toutes les Haïtiennes à quelque secteur qu'ils puissent appartenir. La communauté internationale peut bien nous venir en aide, mais les Haïtiens, les Haïtiennes sont les seuls responsables de leur destin. Au nom du Conseil présidentiel de transition, j'invite toutes les filles, tous les fils d'Haïti à se mobiliser afin de participer pleinement à ce grand combat national pour réécrire l'acte de notre indépendance, cette fois-ci en construisant une nation stable, sécuritaire, solidaire et démocratique, où il fait bon de vivre pour tous et toutes, et aussi bon d'y demeurer pour toujours. Mesdames, Messieurs du comité de pilotage, vous souhaitez-nous bon travail, bon courage. Merci. Voilà, professeur, vous entendez, et nous permettre au public de suivre tout et comprendre ce que vous dites. Mais l'opinion, c'est que vous avez un pile de travail qui a obtenu une mission pour faire le comité. Au grand secrétaire technique d'organisation de la conférence, qui a pris trois groupes de travail, une sous réforme constitutionnelle, une sous projet de société pour Haïti, et puis une sous pour organisation, parti politique, acte élection, organisation judiciaire, délimitation territoriale, structuration des forces de la force publique, droit à l'information et le développement des médias. Donc il s'agit d'un petit chantier. Mais au compte plus grande faiblesse qu'il y a, en 2003, nous avons fait une émission avec le professeur Lestissien au Président. On parlait 18 mars 2003. Nous avons dit que dans ce type d'activité, ça y est, faut même discours qui a passé dans le nord, la passé dans le sud, la passé dans le sud-est, la passé dans l'ouest, pour qu'il y ait une uniformité, pour pas avoir une parole qui a parlé dans le nord, une parole qui a parlé dans le sud. C'est-à-dire que faut dans le contexte, en conférence. Oui. Faut même discours a passé de tous côtés. Le modèle, c'est le campagne américaine, qui a fait campagne aux États-Unis. 2 ans, on a fait 50 États, on a parlé même parole pour tout le monde de même bagala, il a fait opinion partie de même bagala. Dans l'état actuel de la situation en Haïti, il y a un grand sud qui est coupé de reste pays depuis 3 ans. Depuis 1er juin 2021. 1er juin 2024, là, ça fait 3 ans, je vous dis à nous en nous. Non, mais il y a un qui est capable de dire que le message est arrivé à rejoindre une zone SAO sans pas obligé. Alors, le message est capable de circuler sans que le pas obligé passer par les voies terrestres.
Wendel, et nous songeons qu'en 2002-2003, nous avons les caravanes. Nous avons deux groupes qui ont marché dans tout le pays, qui ont organisé, parce que le comité a un secrétaire technique qui a organisé la conférence. Là. Pas un secrétaire technique qui a organisé la conférence dans la petite République de Port-au-Prince. Une conférence qui a fait sur tout le pays, parce que c'est le pays qui a essayé de parler avec lui-même. Il faut que même discours joigne tout le monde et non langage accessible. Où songez, M. Théodore, le 9 avril 2024, là, la mine là, moi dit que, et à 4 avril là, tu as dû gagner de monde qui dans tous les médias, dans tous les niveaux, qui font campagne autour de lui pour faire plus de monde qu'on s'allie. Il y aurait ça, on demande de légitimation. Légitimation, c'est un mot qui est raciné sur une racine latine, qui est lex legis, ça veut dire la loi. Loi pour décision, il y a ça, la loi et les règlements dictés. Et puis, il y a ça, c'est la population. Hein, bah, là, et parce que nous n'avons pas un principe de droit divin, nous avons un principe de droit démocratique, donc c'est mounio. Faut qu'il y ait des mécanismes, toute décision qu'on prend pour plus de monde possible qu'on s'allie et approprier le pour eux. Et c'est un facteur de cohésion pour bagasse à eux. Ici, nous avons une émission avant là que nous voulons faire une démocratie sans opinion. Nous ne tenons pas compte de ce qu'on dit dans le pays. Là. En juin encore, réinvitez moi. Une démocratie soude. De quoi qui vide. Pour moun soud. Pour moun soud. En juin encore, je retourne dans l'émission. Je demande encore pour une grande campagne de communication qui fait pour accord là. Pour plus de monde qui consacre la donne. Il en est de même pour la conférence là. Par exemple, je me souviens dans les années 86, séance qui était faite. En 87, c'est un site qu'on fait dans l'Assemblée constituante, c'est un public Wendel. Oui. Public. Et même diffusé en direct sur les médias d'État. Et même diffusé en direct sur radio et télévision nationale. Vous songez ça, vous faites un rappel là. C'est-à-dire que conférence, c'est pas qu'il va concerner tout le pays. Oui, mais je dis, est-ce que le possible? Wendel, possible là, c'est nous pour faire le possible. Mandez ça là plusieurs fois. Nous avons besoin de légitimer nos actions. Les autorités ont besoin de légitimer leurs actions. Chaque bagarre qu'on fait, moi-même, je suis habitué conseiller ministre en matière de communication. Je me dis au ministre, soit baptisé petit tout. Ou organiser une communion la caillou. Ou marier petit tout. Ou on doit choisir faire en toute intimité, en toute discrétion. Parce qu'il s'agit d'une activité familiale et personnelle, et individuelle. Mais des personnes qu'on va faire pour l'État. Il faut avoir le plus large diffusion possible pour tout le monde qu'on s'allie. Garantir le plus de visibilité possible. Possible pour tout le monde qu'on s'allie. Ici, nous comprenons que l'on a fait des choses comme autorité publique, ce n'est pas nous qui avons fait dans la sphère privée. Non! Je ne peux pas faire une conférence nationale. Dieu seul sait combien de monde me depuis plus d'une semaine pour me capable de joindre accès à ce discours. Finalement, vous voyez le bon moins. Et puis après ça, mon autre ami qui voulait le bon mouet. Je ne peux pas te faire ça va te donner la Wian tout de suite. D'ailleurs, je suis obligé de dire ça parce que moi, je ne suis pas de métier. Au président de la République, au président font une intervention. M'achetons un cas dans nouvelle liste ou bien dans l'autre journal de la place, mettez-le pour plus de monde qu'à Lille. Un haïtien qui est à l'étranger, qui a vu n'importe qui côté, un étudiant qui a besoin de discours pour analyse. N'importe côté lié, il y a accès alors, à lui. Alors, ça, vous faites, je dis, hein, j'ai l'impression qu'il y a seulement posé, posté sur les réseaux sociaux. Wendel, États-Unis, il y a 75 à 80% de monde qui a accès à Internet. Et puis, il y a l'électricité 24 heures sur 24. En Haïti, Internet a pénétré à peine 10 à 15% de la population. C'est-à-dire que l'on choisit le chemin, ça, on met 85% de la population en dehors. Et pas blague dans le bail. Parce que l'on prend des décisions, il faut garder l'incidence. Oui, mais dis-moi tout entre les deux compagnies, les deux opérateurs, nous déjà franchi cap. Wendel, moi, je passe de côté, moi, de mon cap chargé laptop pour 10-15 dollars américains, haïtiens. 50-75 gouttes pour bailler charger laptop. Il n'y a pas de courant. Ou d'accord avec moi. Je dois téléphoner et je ne peux pas charger, Wendel. Et si je charge sur lui, je prends l'essentiel. Ou d'accord avec moi. Nous avons fait un plan 9 gouttes, un plan 10 gouttes, un plan 15 gouttes, d'autant que, et ça a fait profiter de lui, c'est gouger, compagnie, ça va gouger nous. Tellement tarif la vie de monter. Il passe de 225 gouttes à 250 gouttes, 275 gouttes, je dis à 500 gouttes. C'est gouger. Et pas dans aucun souci de accessibilité de service là. Non, c'est un problème qualité, accès, débit faible.
Nous avons deux compagnies, permettez-moi de faire digression. Digicel a alimenté l'intérieur à partir de Jamaïque, qui a un câble de fibre optique sorti depuis Jamaïque qui vient ici. Et Natcom a un câble depuis Floride qui passait par Bahamas, qui traversait ici la République Dominicaine. Tout pays a un débit d'Internet élevé, nous-mêmes nous avons un débit d'Internet faible. Lowdown, l'eau de bagabal, la gueule doit faire virer. L'eau, vous voyez sur Internet là. Et puis, la virer. Juste si Internet va finir, bah, là, et pour dire, pour mettre sur les réseaux sociaux, tout le monde joue. De qui pays n'a parlé? L'autre type, vous oubliez, le gon on arrête gon à qui sorti? C'est dans la rue. Non, gon un militaire venu en uniforme avec un mégaphone dans main, calant tout marché public, cap parce que nul n'est censé ignorer là. Alors c'est deux gens qu'on fait. Alors bon côté pam, gagne un militaire qui venu avec un cléon, le sonné pour faire rassemblement. Pour faire rassemblement. Et puis ensuite, et puis de bout en de ça on connaît gon nouvelle qui va tomber, soit va dire gagne congé, ça va dire mais on arrête que sorti pour que nul n'a prétexte ignorance. OK. Ou ce jeune qui a nénoué, je dis avec toute technologie gain. Alors comme si des pour prendre bagarre là sur Facebook, les réseaux sociaux là, communication politique là fini là mes amis. Donc là où quoi que en guise de recommandation à ça, tu as donné plus visibilité autour des décisions que l'État a adoptées. Moi bon, m'en donne faveur. Moi même je dis à là en République Dominicaine à côté à là. Gon bon journal moun pa acheter c'est bayol de moun dans secteur privé a estimé que pa ka quitter filière papier disparaître yo investi comme yo fait journal là entre 1950 et 1910 on dégage 350 journaux et revues je veux dire combien gagne monsieur Théodore s'il vous plaît on graine qui sorti en papier avec un tirage très limité. On parle de nouvelliste l'autre là lui-même c'est sur internet lié. Non, mon d'accord. Donc, même nouvelliste, on dit en tout que c'est. On dit que le nouvelliste a quand même du plomb dans l'aile, les nous garder pour nous, Jean Bagayo, difficile. Je dis ça pour me dire que. Et comme président a parlé de nécessité de gagner pour droit à l'information et le développement des médias, il dit. Il ne sont pas les arimbres. Droit à l'information et développement des médias. Bon, là, on parle de droit à l'information, non discours. Et puis, pas grand qu'une infrastructure, pas grand qui mettait comme disposition, comme politique publique, pour garantir le droit à ça. Ou non, veut mieux. Qu'on y a, on ne parle pas de contenu, on ne parle pas de ça dans l'émission. Ça veut dire que, un acte public sorti, on ne peut pas contenter de voir sur Internet, et puis, je comprends dans la tête, moi, tout haïtien joint ni. Comme si tout haïtien a accès à Internet, tout haïtien a courant. Nous non fiction, nous pas non pays au CDE. C'est en Haïti nous y est. Elle dit que deux bagages qu'on s'est engagé à venir nous, forme moun kap dirige nous au plus prudent. D'autant que, quand on a retourné sous ça, mais nous parlons d'un secrétaire technique à organiser une conférence là, nous parlons de trois groupes pour réforme constitutionnelle et groupe de projet. Bah, bon, réforme constitutionnelle là, avec, bah, là, on t'a mis dans le même panier. D'ailleurs, il a regroupé les thèmes semblables, comme le monde qui a parlé à son président, son ingénieur, l'école mathématique, donc nous avons regroupé les thèmes semblables. Nous avons entré au projet société dans la Constitution, parce que la Constitution est un projet de société lié. Donc, on a parlé de organiser parti politique, organiser élection. Mais si une conférence à la pour organiser parti politique, organiser élection, pourquoi ça me fait faire ces pays-là? Donc, selon moi, même, il faut que tu attends. Ah, mais il va de soi pour obtenir une résolution qui a sorti la dernière pour l'orientation. Je voulais dire que chantier. Mon yo, il y a deadline, il y a une échéance devant autour. Et puis, autant de quantité de gommes gagnées aujourd'hui pour le secteur désigné. Ah, voilà ce qu'il fallait démontrer. Et ça, c'est le CQFDA. Comment vous pays a fait conférence nationale pour vous et pour constituer un CEP? Parce que vous ne pouvez pas prendre la surface. Et pour nous garder malaise profond qu'entouré. Nous ne pouvons pas nous marrer, nous ne pouvons pas nous marrer cage là. On a le marrer cage là. Ou imaginons, pour une organisation femme, une organisation de droits humains, une organisation ceci, une organisation vaudou, besoin de vous, mon nom, CEP, pour ça, un drame pour la République. Moi, je suis jeune. Je suis allé faire CEP, moi, Jean Casimir, moi, Jean-Aubert Sabala, moi, tout le monde qui était là, je ne suis pas tout. Friction ça non Wendel musion bon mot on pas toute friction ça vingt plus monde dans plus que plus pas plus monde j'ai plus monde société a désorganisé et gon effort systématique a fait pour mettre non délitement et ça pareil tout et toute structure sociale yo nous décrémé yo par exemple d'abord tout à l'heure l'important
Si je ne peux pas faire mobilité, mobilisation sur tout le pays, tout le marché, comment faire discours circuler, comment faire réussir la conférence là? Cela revient à dire que si je ne peux pas faire effort pour une question de problème de sécurité, là, la parole entraver l'organisation et le développement de la conférence nationale là. Est-ce que nous allons réunir un groupe expert dans le palais pour faire pour nous ou bien nous voulons une conférence côté pays a véritablement parlé avec lui-même? Et m'a retourné dans le bar pour me retourner pour me dire. Mais faut finir, oui. Malheureusement. Et nous-mêmes, nous c'est gâté ça. Nous aimons Belle Merveille. Mais pas nous qui a créé condition Belle Merveille pour nous faire Belle Merveille. Non, mais c'est nous-mêmes qui avons gardé Belle Merveille là, c'est nous qui avons blâmé. Là, m'a parlé du président de la commission. Alors, ce qu'il n'a pas eu une activité qui devait payer à Paris. Vous estimez, Inex Jean-Charles, dès le départ, fait deux faux pas. On n'est pas capable de payer à Paris, mais pour partir du discours là, sur fond de polémique et de stigmatisation, Wendel. Et pas moi-même. On a s'il pas dit, dis-moi, pas dit. On n'est pas capable de payer à Paris, lui-même. Et pour faire sous fond de stigmatisation et de stigmatisation Wendel, il n'est pas normal. Mm-hmm. On discours officiel fait par Nathalie qui est empreint de grande magnanimité, de grandeur, de hauteur, de dépassement. Mm-hmm. On pas capable d'en bagaille. Non, ça veut dire que déjà, monsieur disqualifié pour le poste côté LTE. Il n'est pas de même dans la commission même. Et moun sa on fait 40 ans ba nous réforme, toute réforme, succession de réformes, qui jodi a obligé nous dans ça là. Mm-hmm. Et puis c'est yo pral, on gonde ba map suivre nan souple en France. Propre moun qui fait problème pays ya. Alors on ba la Bible dit que le serpent qui mord celui qui guérit. Mm-hmm. Gen ka ça oui. Mais même moun qui pendant 40 ans dans tout gouvernement, tout régime kap et ba nous là, l'abouti à conclusion à situation là. Mm-hmm. Et puis c'est yo encore yo relé pour venir ba nous solution. Mm-hmm. Un auditeur qui dit que pour qui ça, en fait, qui soit pensé de. Qui ça que fait dialogue national, Jovenel là, de camper lui-même? Wendel, nous avons tout à l'heure un problème dans la politique pays. Nous ne connaissons pas que le NAP font acte public, font légitime. Sous, nous pas dans le principe de droit divin, quand ils sont un bon Dieu du haut de son trône qui a fait qui choy. Mm-hmm. Nous avons un droit démocratique. Le droit démocratique avait dit que sous pouvoir, c'est peuple là. Loi font acte public, faut persuader les gens. Parce que la politique a une dimension profondément didactique là-dedans, apprentissage. Ou expliquer position. Et pas par hasard, dans certains pays, il y a fait sondage toute journée, sur toute décision que l'État prend. Il y a fait sondage. Et pourquoi on est comme tendance là? On a pas de tendance. On a des mots ça. Mm-hmm. Tendance. Ici, on a fait de politique pour les gens. Et puis, il a fait pas, nous n'avons pas même mettre mon courant. Je ne sais pas si bon exemple là. Yo voye ban mwen un ancien député qui vini qui a bagay. Ou sont admettre avec tout à l'heure que l'a fait assemblée constituante 1987 là, l'a fait tout ba yo, yo te rendu public et pas gen technologie nous gen là aujourd'hui. Aujourd'hui c'est plus facile toujours Wendel. Mm-hmm. Bon, depuis jour comité pilotage a bouqué réuni. Et pas sous bureau président seulement, non pour le joindre rapport tous les mois. Sinon opinion pour débat ou a fait oui. Et l'autre en fait balade dans le Parlement. Quand il y a des gens qui allaient monter dans la tribune parlementaire là, là ou songez ça, mm-hmm. qui campait, et puis, bon échange qui a fait, bon dynamique. Jodi à son bail, on sort de technocratisme au rabais. Quand il y a un conseil de clair, moun savé, expert, comme si réforme société, réforme d'État, qui si conscrit dans la sphère de clair, c'est pour clair, c'est pour expert, c'est pour faire payer, bien fait pour monsieur tout le monde. Moun gen la ouya ki bola ouya la ki a machin visage la. Réforme non pas pour lui, il pas gen point de vue pas pour le bail. S'il pas clair, s'il pas expert, combien expert qui est non pays en général? Pas gen 5% expert non pays. Donc plaidoyer c'est pour éviter la répétition des erreurs dans la conception même du comité de pilotage. Non, de la conférence. De la conférence et plaidoyer wa faire là tout, c'est pour garantir facilité visibilité, tout ça que vous avez pour faire aujourd'hui. Créer les conditions pour bah, la machine dans tout le pays. Conférencier, conférence la fête dans tout le pays. Moun dans le sud, là, moun cochon gras, moun béné, n'importe qui côté moun dans le pays. Li implique, li tende sa kap di là, ou prend point de vue, li de sorte que sa kap sorti in fine, c'est en grande partie. La préoccupation de monsieur tout le monde. La profléter, préoccupation de tout le monde. Maintenant, qui j'aime pour ça fait? À travers les médias, les radios, ou bien par des délégués? Plusieurs modèles, pas mon modèle fixe. Médias et web, mettez-vous à contribution dans tout niveau.
université a pas contribution dans tout niveau les centres de recherche a gagné le peu de ça gagné ou a mettre contribution là oui a marché public yo tout côté gagné attroupement moun ou a porter par là dans langage simple et clair pour moun nous connaître parce que nous dit nous fera le fond pays pour côté là bon pour tout moun et ça est dans conclusion ça président abouti mais c'est pas affaire de expert seulement la pied c'est affaire de tout le monde chaque grain de monde dans sphère parler pour contribuer pour projet ça réussir c'est pas affaire président seulement. Merci beaucoup, professeur Wesley Désir. Nous t'ai parlé plus, mais ou presque devenu, bon, sans le vouloir, ou encore si la volonté est là, mais peut-être sans le dire, il y a une référence qui est là pour les grands sujets. Merci. Merci encore une fois pour disponibilité. Mais Wendel, je vais reprendre ça, je t'ai dit là. Le n'a fait de bagages de politique publique, c'est moi qui fait d'expert et de clair. C'est moi qui fait de tout le monde. Faut faire en sorte que nous portions parole là. Parce que seule la connaissance libère. Et la Bible dit, et si mon cafou, il dit, si le peuple a péri, c'est par ignorance. Nous avons besoin de mettre tout ça qui a fait dans le pays à la portée de tout le monde, impliquer tout le monde sans discrimination et sans exclusive. Question de, après tout, nous avons phrase ça. Nous, même pour blague, nous c'est gâté ça. Je ne pas gâté ça, Wendel. Nous sommes citoyens avisés. Qui matin en vie dans le monde pour me dire que nous besoin véritable conférence qu'on a fait tout pays à parler avec lui même une clôture de sorte que ça cap sorti comme produit a lui refléter aspiration de grand pays côté nous ca vivre tant au monde voilà. Vous avez suivi madame monsieur la rubrique le point de radio et télémétropole, c'était le professeur Wesley Désir. Merci de votre attention, passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lissa Loto.